trouvé en fait avec Enzo sur ce territoire d'un théâtre musical qui peu ou prou nous semblait un peu confisqué par la musique contemporaine, et on a trouvé que le jazz était peut-être justement une forme artistique qui pouvait complètement s'insérer par l'improvisation sur des formes de textes, d'oratorio, de dits. On a appelé beaucoup de nos spectacles les dits. Et sur le rôdeur, c'est exactement cette idée-là qui a prévalu, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un trio de jazz qui était composé de Gérard Marais et Johan Michel-Macher, avec un répertoire qui était déjà constitué, avec ce texte d'Enzo qui était déjà existant, et on a essayé de voir comment on pouvait faire plus que cohabiter, se rencontrer ces deux univers. Donc on a eu envie de dire, voilà, je pense, on n'est pas les premiers à l'avoir fait, mais on avait envie d'entériner le fait qu'il y ait une compagnie, ou du moins une association, puisqu'on est en association des 101, qui puisse entériner le fait qu'il y ait un travail qui soit fait autour du théâtre musical. Quand on a créé cette structure, on l'a créée aussi parce qu'à l'invitation de Philippe Adrien, on a été pendant 3 ans en résidence à la cartoucherie de Vincennes, ce qui nous a permis à la fois de présenter des spectacles élaborés qui avaient été créés dans d'autres projets, avec, je parle par exemple du spectacle sur Mingus, qui s'appelle Mingus Cuernavaca, que nous avons présenté à la cartoucherie. Et au-delà de ça, on avait monté tout un projet régulier à la cartoucherie, qui était le suivant. On convoquait des gens de théâtre et des musiciens à se frotter à un projet autour de l'improvisation. Et l'idée était de répéter l'après-midi et de jouer le soir. Il m'a montré une lettre. C'était une femme qui disait à son mari qu'elle partait pour toujours. Alors j'ai dit, il y en a plein, des comme ça dans les livres. Est-ce qu'elle en lit beaucoup ? Le type m'a regardé d'un drôle d'air, et puis il a accéléré de nouveau. Et demain donnait comme avant du bec et de l'aile. Juste l'oiseau qui bougeait, et le silence du moteur. Les pneus sur l'eau de la route, qui brillaient. Ça sent l'envie ! Je lis, tu veux voler demain ? Mais il faut qu'on lit, oui ! Et c'est ce qu'il faut faire. Attends, les autres, viens, je viens. Et demain, vous le verrez, ils volent et je chasse. Les choses sont pareilles et les gens saignent. Les gens saignent. Demain, je ne me souviens pas. Les ventres, les têtes, voitures, maisons, ah bon Dieu. C'est demain qui en veut. Oiseaux de proie, chasse au vol. C'est ainsi qu'on le dit, j'attends, j'attends. Le rôdeur qu'il m'appelle, ah ouais, ouais, ouais. Ils ont raison, demain la vieille, demain, j'attends. Je viens, allez, 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 vol. Vol. Enzo s'est beaucoup consacré à une époque, comme moi-même avec certains musiciens de jazz, ou ce qu'il a appelé grande figure de l'excès, puisqu'il a travaillé sur Sade. On a eu envie ensemble de travailler sur Mingus, qui est un personnage dans le jazz extrêmement expansif, un peu hors norme. Et Kerouac s'est trouvé un peu au carrefour de toutes ses envies et ses exigences. Donc il y a eu cette première invitation de France Culture de réaliser, de mettre en musique sous la forme toujours encore une fois d'oratorio, des textes des choruses de Kerouac. Il y a eu Mère, il y a eu Le Dit de la Chute. Le Dit de la Chute est un peu différent, puisque c'est un texte d'Enzo sur Kerouac, que nous avons mis en musique. Et au-delà de la mise en musique, je crois que la musique est vraiment inhérente au spectacle. On n'a pas envie de rentrer dans des projets de mise en scène de nos spectacles. Et on trouve que l'originalité, en tous les cas, qu'on peut avoir, je pense qu'Enzo partage complètement cet avis, c'est d'être dans des configurations d'oratorio. Donc le tout dernier spectacle, Angelus Novus, nous a aussi montré qu'on pouvait être vraiment bien dans cette configuration, avec Enzo, là, dans Angelus Novus, il y a aussi une chanteuse, Enzo qui est dans une position d'instrumentiste, en fait. Hein. J'atteste la joie du sac à dos neuf et de la très pratique petite trousse de couture concoctée par mes mères.
J'atteste l'horreur des ampoules à vif, du dos rompu, des suées, piqûres, chiasses, corps bourreau, corps fardeau. J'atteste la joie du bruit de la fermeture éclair, du chaud duvet de montagne dans le désert d'Arizona. Horreur attestée, ciel hostile, chien teigneux, gros con d'ennemis jurés de la poésie et du vagabondage. C'est des allers-retours permanents, c'est-à-dire qu'Enzo fait des premiers jets, qui m'envoie. La plupart du temps, il y a quand même, maintenant, on a aussi, on a beaucoup travaillé sur des formes dans lesquelles il y a de la du chant, des chansons. Nous avons l'habitude de nous retrouver après sur quelques jours, voire quelques semaines, sur la mise en forme, tous les deux, par contre, où on travaille plus en profondeur, où on change des choses. On façonne vraiment le spectacle, j'allais dire, dans un deuxième temps. Et nous, la colonne vertébrale des spectacles, elle est fixe. Mais bien sûr, moi j'aime bien dire que il y a toujours des chemins d'improvisation entre des pôles écrits. C'est exactement comme ça qu'on conçoit les choses. C'est-à-dire que la structure, l'organisation du spectacle étant faite, à l'intérieur de ce cadre, les chemins qui vont être pris pour aller d'un point A à un point B ne seront pas forcément les mêmes. Donc c'est vrai que les spectacles, c'est d'ailleurs ça qui résiste beaucoup à la mise en scène. Et donc c'est cette façon d'improviser des parcours. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'on a tout intérêt à garder dans notre travail.